Non mais David et David, oui, allez voir par là. Tu as vu le même, il était sur les escales. Oui, c'est ce qu'on dit. Vous avez des visions. Si vous avez soin, vous pouvez sortir. Voilà, ouais. Vous prenez pas les pieds dans les bureaux. Dans les bureaux, puis surtout, il y a des traces. Ça, c'est inévitable. Ça, c'est les chaussures. Ça, c'est le 15 ans, il y en avait. Ça, non, je sais pas. Thank you.
À vous rapprocher un peu pour la belle partie officielle et peut-être demander aux personnes de l'exposition d'informer les gens qui s'y trouvent. Ils mettent sur les panneaux. Les Chinoises, de vous souhaiter une bienvenue à cette manifestation qui marque l'inauguration des nouveaux aménagements de la place Fabre ainsi que le 100e anniversaire de la vénérable école qui se trouve derrière moi. Je salue la présence de M. Charles Baird, conseiller d'État, en charge du département de l'instruction publique et de plusieurs autorités, de députés du Grand Conseil d'autorité des communes avoisinantes. Sans plus tarder, je passe la parole à M. Pierre Debarge, maire de la commune. Merci, M. le secrétaire général. Monsieur le président du département de l'instruction publique, mesdames et messieurs les députés, mesdames les conseillères administratives, chers collègues, mesdames et messieurs les élus des communes françaises et chinoises, mesdames et messieurs, chinois, chinoises, permettez-moi, au nom du conseil administratif de notre belle commune, de vous souhaiter une cordiale bienvenue sur la place Louis Favre en ce samedi 17 septembre 2005, qui restera à tout jamais dans nos mémoires, et cela pour deux raisons. L'inauguration de la place Favre, nouvellement rénovée, et les 100 ans de l'école du même nom. Fêter les 100 ans d'une école ne se voit pas tous les jours. Pour parler de la place Favre, un retour en arrière est nécessaire. C'est en 1993 que le maire de Thonet, M. Fornerolles, voulant réunir deux places situées de part et d'autre de la rue de Genève, pris contact avec M. Dominique Zanghi, architecte urbaniste, que je salue et remercie pour sa présence aujourd'hui. M. Zanghi lui proposa d'effectuer une réflexion pour redéfinir la rue et réconcilier la circulation et les activités riveraines. Les communes de Chênebourg et Michel Boucherie s'associèrent à cette étude et pensèrent à élargir la réflexion aux communes de Gaillard et Ambilly. Une réunion se fit entre les maires français et suisses. Ils tombèrent très vite d'accord sur le fait que la réflexion devait être transfrontalière. Ils réfléchirent à la notion de rue, aux activités qui s'y rapportent et à la perception que l'on a lorsqu'on la traverse ou on l'allonge, que ce soit en voiture, à vélo ou à pied. Une fois décidé de la meilleure manière pour agir ensemble, les autorités de ces cinq communes ont procédé en trois grandes étapes
pour réaliser le projet appelé Espace Rue, soit un concours international d'idées, une charte d'aménagement transfrontalière et un projet dans chacune des communes concernées. Ces trois étapes furent réalisées de 1994 en 2000. Et je veux souligner le travail essentiel de mon prédécesseur, M. Michel Parra, dans l'organisation et l'animation du processus qui reçut le cautionnement de la Confédération helvétique ainsi que de l'État français sous la forme d'une subvention inscrite au programme européen Interreg II. En ce qui concerne Schönbourg, mes collègues et moi-même avons en 2000 mis en œuvre la première réalisation en réhabilitant le parc Révérend Père de Chevrin, qui fut inauguré pour notre plus grande joie en 2002. En 2003, nous avons lancé le projet de réaménagement de la place Favre en collaboration avec le bureau Triporteur, représenté aujourd'hui par M. Gilles Grosjean, que je salue et remercie pour son excellent travail et le soutien, et je souligne la très grande collaboration que nous avons eue. Plusieurs contraintes concernant ce réaménagement furent évoquées pendant nos entretiens et ont été heureusement levées lors des commissions d'aménagement et environnement. Contraintes. Une réalisation d'un cheminement de second front entre la rue Floquet et l'avenue de Bébert, le chemin qui est juste là. Suppression du stationnement des surface compensé par le parking du point Favre. Il me semble intéressant de noter que le déplacement de la statue de Louis Favre nous a permis de découvrir des documents importants et intéressants datant de son installation et que grâce à ma collègue Madame Béatrice de Candolle, vous pourrez les admirer une fois leur restauration effectuée. J'aimerais remercier officiellement toutes les participations à ce vaste chantier, les chefs d'entreprise, la maîtrise, les compagnons, pour leur implication et leur savoir-faire qui ont permis cette réhabilitation déjà considérée comme exemplaire. En ce qui concerne l'école Place Favre, Monsieur le conseiller d'État Charbert en parlera plus longuement certainement dans un instant. Je me contenterai de souligner que sa réalisation est de M. Marc Camoletti, architecte, qui a également réalisé l'école de Compétière et celle des Groupères. La charpente, quant à elle, a été réalisée par l'entreprise Biedermann, toujours établie à Schönbourg, et je salue le digne successeur en la personne d'Émile Biedermann. Je remercie l'amicale des anciens élus de Schönbourg, et tout particulièrement mon ancien collègue Jean-Pierre Schies, son président. Merci Jean-Pierre. Pour leur immense engagement, nous permettant de fêter dignement les 100 ans de cette école. Avant de terminer mon intervention, j'aimerais remercier tout le personnel de la mairie, administratif et technique, pour leur total engagement dans la réussite de cette journée. La compagnie des sapeurs-pompiers qui organise l'apéritif à venir et les restaurateurs chinois qui vous régaleront dans leurs excellentes spécialités. Vive Schönbourg, la plus jeune et la plus petite des communes genevoises. Merci. Monsieur le maire, mesdames les conseillères administratives, mesdames et messieurs les députés au Grand Conseil, mesdames et messieurs les conseillères municipales et conseillers municipaux de la commune de Schönbourg et des communes avoisinantes, madame l'inspectrice, mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants, chers enfants, chers parents et chers communiers de Schönbourg. C'est toujours un grand moment que celui de la rénovation d'une école ou celui tout simplement de la consécration d'une nouvelle école. C'est en effet un moment doublement important, même s'il se situe à l'intérieur d'un événement plus important, puisqu'en effet il s'agit aujourd'hui de la restauration de la place Favre. De la restauration de l'école Favre. Montre à quel point une école doit être ancrée dans son quartier
ancrée dans sa commune et être autre chose qu'un bâtiment dispensant des connaissances scolaires aussi importantes soient-elles. En effet, nous pouvons constater qu'à travers une école comme celle-là, c'est des générations entières qui ont passé, qui ont appris à lire, à écrire, à compter, mais qui ont appris le lien quotidien avec la famille, avec le quartier, avec l'ensemble des gens qui font d'une commune une émanation profondément vivante. Mesdames et messieurs, la commune de Schoenbourg accueille en son sein plusieurs écoles, dont celle de la place Favre, qui a la double particularité d'être sans doute la plus petite, notamment parce qu'elle ne couvre entre guillemets que la division élémentaire, mais parce qu'elle se trouve être également le poumon de Schoenbourg en ce qui concerne les écoles, accueillant en effet pratiquement l'ensemble des enfants pour les promotions à l'occasion du mois de juin et donc des fêtes de fin d'année. Nous avons ici une belle réussite, en effet, de ce que peut constituer comme carrefour pour les enfants de la commune un lieu aussi sympathique que cette place avec cette école. Mesdames et messieurs, j'en terminerai en disant quelques mots sur l'école, sur les enseignantes et les enseignants qui ont le mérite, comme vous le savez, chaque année de reprendre la tâche, de pouvoir s'y adonner avec engagement, avec générosité et avec compétence. En effet, celles-ci sont indispensables, particulièrement au temps où la mission de l'école se complexifie. Elle se complexifie en ce sens qu'il s'agit non seulement de transmettre les connaissances, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais également de pouvoir tisser des liens sociaux qui sont indispensables à la transmission des connaissances. Et je salue tout particulièrement le projet de cette école qui consiste à renforcer cette année les liens entre la famille et l'école. Entre la famille et l'école, et puis bien entendu, entre l'école et la commune. Vive l'école de la place Favre, vive la place Favre, vive la commune de Schoenbourg. Merci Monsieur le Président pour vos propos. La journée étant à la fête, la partie officielle est déjà terminée. Je vous invite à vous rapprocher de l'apéritif qui est offert à toutes les personnes qui sont là. J'aimerais simplement rappeler et vous inviter à profiter très largement des stands des commerçants de la commune qui se sont installés pour ceux qui ne viendront pas manger comme ancien relais. Profitez des animations, les carousels sont gratuits jusqu'à 18h ce soir. Dans le préau cet après-midi, il y aura des jeux anciens tels qu'on les faisait à l'époque. Il y aura des animateurs, des artistes de rue qui feront des démonstrations dans le préau. Donc profitez de cette journée pour vous amuser. Et je rappelle aux anciens élèves qui se sont inscrits et qui se retrouveront tout à l'heure que le repas sera servi à partir de 12h30 dans la salle Point Favre qui se trouve juste là derrière. En attendant, profitez bien de cette journée. Merci à tous. Thank you.
On peut régler le projecteur? Non, on peut pas régler. Alors je vais demander à monsieur le maire, monsieur Pierre Lepage, à madame Béatrice de Gondol et à madame Béatrice Dupont de venir, donc nos autorités. Je vous demande un chaud applaudissement. Je vais passer la parole maintenant à madame Béatrice Dupont qui a une petite comptine à vous lire. Monsieur le Président du Conseil municipal, madame l'inspectrice, mesdames, messieurs les enseignants, responsables d'école et maîtres principaux, mesdames, messieurs, chers anciens de l'école Glace-Fave, permettez-moi, au nom des autorités de Schönbourg, de vous souhaiter une cordiale bienvenue au banquet célébrant le 100e anniversaire de l'école Glace-Fave. En effet, c'est en 1905 que la première volée d'écoliers inaugura les locaux construits par M. Marc Camoletti, architecte réputé, dont nous pouvons toujours admirer ses œuvres telles que la Poste du Mont-Blanc, le Victoria Hall, le Musée d'art et d'histoire, la Poste du Stand et bien sûr notre école, pour laquelle il a reçu le premier prix au concours des façades en 1905. J'en profite d'ailleurs pour saluer Mme Janine Camoletti et M. Bruno Camoletti, ses petits-enfants présents aujourd'hui. L'organisation d'un tel événement nécessite beaucoup de travail et de bonne volonté. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette réussite. Et plus particulièrement, M. Gilbert Beauchâtet pour la mise à disposition du mobilier ancien. Madame Éléonore Zortos de la Criée pour les anciens documents. Madame Chantal Renvet-Fry pour la mise en place de l'exposition. Madame Catherine Origa, collaboratrice de la mairie. Monsieur Roland Hinderberger, ancien inspecteur. Enfin et surtout, l'amicale des anciens élus, sous la présidence de Jean-Pierre Schiss, notre ancien collègue, qui s'est dépensé sans compter pour mettre en place cette manifestation et sans qui rien n'aurait été possible. Merci à vous. L'Amicale des anciens élus a également eu l'excellente idée de réaliser un DVD souvenir que vous pouvez commander au moyen du formulaire que vous trouverez sur vos places. Faites-y bon accueil. Des extraits seront d'ailleurs projetés durant le repas. De plus, la commune se fait un plaisir de vous offrir le cadeau souvenir. C'est une ardoise gravée avec crêpe et rouge. Cadeau qui a été offert aux 100 enfants, parce qu'effectivement il y en a 100 qui fréquentent l'école aujourd'hui. Créons aussi un lien entre les générations. Nous espérons que ce cadeau fera les beaux jours des joueurs de cartes et pour inscrire la liste des commissions. Ouais. C'est pas mon domaine. Donc vous pourrez retirer ce cadeau à votre départ. Sans plus tard. Votre question est l'affiche.
Alors, écoutez ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, les affiches, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Il y en a 20 exemplaires qui ont été faits. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, si vous voulez retrouver ça, elle est sur le DVD. Ce qui vous permet d'en faire, de l'agrandir, de faire tout ce que vous voulez. Donc, achetez le DVD, 20 francs. Donc, par souscription, parce que je le répète, vous aurez la chance d'avoir des images d'aujourd'hui sur le DVD. Donc, il comporte 11 chapitres. Donc, je ne vous dis pas tout ce qu'il y a dedans, parce que c'est énorme. Il y a notamment tout ce que vous voulez, avant et après, et pendant. Et un tas d'autres choses. Donc, si vous voulez avoir un DVD, c'est des quantités limitées, donc par souscription uniquement. Merci. Alors, ne vous déplacez pas pour la suite de repas. L'équipe de Franco-Sophia va venir débarrasser les assiettes et vous servir le repas chaud. Il y a des personnes ici qui ont posé des questions intéressantes. Combien sommes-nous aujourd'hui? Ah, eh bien. Nous sommes 450. Merci. Avec ton père, avec... Non, mon père est pas avec moi. Non, t'es fou, mon père, il est de l'autre côté. Nous, c'est la quatrième, je crois. La quatrième assemblée. Ça, il n'en faisait pas tout le monde. Dans l'exposition, qui se trouve donc à la place phare, dans le local de réunion. Et donc je vous précise qu'il y a des visites guidées et commentées à 14h, 15h et 16h, pour ceux qui s'intéressent. Et maintenant, il y a une autre grande question qui a son importance et à laquelle nous n'avions pas pensé. Une personne nous a demandé d'écouter. Il y a des questions que je vais vous faire plaisir à vous tous. Est-ce qu'il y a des anciens professeurs parmi l'Assemblée? Car je voudrais que tous les anciens professeurs présents viennent vers moi et que dans les mains, pour qu'on puisse notamment refaire leur connaissance. Évidemment, c'est pas très évident. Alors, il y a des gens qui sont là, il y en a un qui arrive. Bonjour à tous. Pour commencer, oui, effectivement, bonjour à tous. Bonjour à tous mes anciens élèves. Bonjour à tous les jeunes. Bonjour à tous ceux qui ont fait partie, qui font partie du corps enseignant. Vraiment, je ne pensais pas manifester aujourd'hui, mais c'est avec plaisir parce que j'avais 24 ans, 1945, lorsque je sortais des études pédagogiques et que j'ai débarqué dans cette maison de Louis Favre. Ça me permet de vous dire que, à part Paul Giroudet, je ne sais pas s'il est là, je suis navré de vous dire que je devrais être doyen de l'ancien corps enseignant. J'ai 84 ans maintenant. Merci. Merci pour moi. Ça va encore pas très mal. Et je dois vous dire que c'est en tout cas pas mes élèves qui m'ont complètement. Non, ça va encore, parce que j'ai, après ma carrière, elle a continué dans une école de formation très professionnelle où j'avais des élèves assez pénibles, mais ils ne m'ont pas tué. Alors, c'est vrai, je voudrais rappeler aussi, pour les plus anciens, ceux avec lesquels j'ai travaillé et qui sont tous décédés, ma classe, elle était au-dessus, au premier étage, au beau milieu, et dessous, il y avait Madame Demeaux. Je vais vous rappeler quelque chose. À ma droite, il y avait Mario Soldini. Il y avait Paul Giroudet et Madame Gavard qui se sont succédés. Il y avait Paul Giroudet. Un truc extraordinaire, donc on ne sait pas pourquoi il faisait l'enseignement primaire, tellement c'était un savant.
Et puis il y avait Madame Turing. Voilà. Et puis moi, j'étais le petit gamin qui était arrivé avec des idées un peu farfelues. Je me suis permis des choses qu'on nous a pu se permettre maintenant, c'est-à-dire de mettre un petit papier sur ma porte en me disant « Je suis pas là, mais je suis quelque part au bord de la Sémar, venez me chercher. » Et je voyais les gamins qui cherchaient, moi j'étais au sommet d'un arbre, des enneries pareilles. J'ai vu avec beaucoup d'émotion, puis après je vais m'arrêter, hein, avec beaucoup d'émotion ces petits trains, ces petits camions que je confectionnais avec mes élèves. Enfin, j'avais introduit les travaux manuels dans l'école. J'avais un petit atelier dans l'ancienne école du Petit Sen, et je faisais chauffer la colle là chez madame la concierge, je ne sais plus comment elle s'appelait. Enfin, là, j'ai vraiment eu beaucoup de très 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 bons souvenirs ici à Schoenbourg. Et, ben, je pourrais vous en raconter, mais on n'est pas là pour ça. Hein. Alors, merci de m'avoir écouté si longuement. J'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Et puis, moi, je ne dirai pas au 150e, hein, parce que là... Bon, allez, bonne journée à tous. Voilà, on remercie M. Marcel Meury. On l'appelle vraiment bien fort parce que c'est extraordinaire. Alors, est-ce que c'est le seul prof de l'école à être là aujourd'hui? Alors, ils sont où les autres? Qu'ils viennent. Sinon, on va les chercher avec le fusil. Ah non, il ne fallait pas dire ça. Ça ne se fait pas. Ah, ils sont où? Ah, mais c'est Simone. Ah, je ne vous présente plus la plus grande chanteuse de Schoenbourg. Je n'ai plus François. Bonjour, plutôt. Je n'ai fait qu'une année en tant qu'enseignant. Pourtant, il faut pas le dire. Je n'ai fait qu'une année dans le vieux chêne en 53. Et puis ensuite, j'ai fait l'inauguration de l'école, de la petite école de l'avenue de Bel Air. Je suis partie à Carouge pour 35 ans. Mais j'étais aussi élève dans cette école. Je vous remercie. Ah, ben voilà. Alors, qui c'est qu'il y a? Qui c'est qu'il y a encore? Oh, il y en a des autres, ils n'osent pas. Ils n'osent plus. Ils ont remarqué qu'on avait des cachots de tomates bien mûres. Pour ça. Donc, Madame Rizzoli, je suppose. Ah, voilà. Et Mademoiselle Dremeau, voilà. Alors, je vais d'abord passer le micro à Madame Rizzoli pour quelques mots. Je suis venue ici avec beaucoup d'émotion et l'estomac noué. Beaucoup de plaisir de revoir des anciens, même si je ne reconnais pas tout le monde. Mais ce que vous faites faire là, je déteste. Alors, on l'applaudit deux fois plus. J'ai le grand plaisir de vous retrouver parmi vous. Ah bon, j'ai grand plaisir à vous retrouver ici à Schoenbourg. Il y a, je crois, bientôt 40 ans que je ne suis pas venue. Je me suis déplacée avec plaisir pour espérer rencontrer certains anciens élèves, mais je ne sais pas si dans la salle se trouvent certains et certaines. Ah ben voilà, mais qui êtes-vous, je ne sais pas. Alors à tout à l'heure, le plaisir de vous rencontrer. Hein? Bon, merci. Merci beaucoup à Madame Gaumont. Voilà, alors j'ai des appels de Denis, on va les voir.
450. Monsieur Constant Béchelot, vous voulez la laisser pour les autres, merci. Allez sortir de la... du cercle. Tout ce qui sort du cercle, c'est à toi. Ouh, plus d'énergie. Oh non. Voilà, tu les sors. D'abord, je vais regarder si j'y arrive. Non, mais la voix qui pousse. On va essayer. Ah, je suis la tienne. Allez, je la renvoie. Renvoie la grosse. La rouge. Allez-y. Ouais, t'en as gagné deux. Trois, non, deux. Là, celle-ci est la terre. Comédie qui s'appelle « On ne choisit pas sa famille » de Jean Marpard. Et dont je fais la mise en scène. Et je profite justement de ce moment de sympathie, de réunion, comme ça, pour vous dire que c'est une pièce comique. Et on joue les 27, 28, 29 et 30 octobre. Donc en matinée à 15h le dimanche, sinon à 20h. Et à 19h, il y aura une petite buvette avec des sandwichs, des gâteaux. Voilà. Alors, les réservations. Pour les réservations, il faudra contacter Madame Catherine Frémont, donc qui est la concierge de l'école du plateau. Bon, j'ai pas son numéro de téléphone ici, mais sinon il y aura des affiches. Il va y avoir des affiches aussi. Alors si vous vouliez venir, c'est très sympathique. Voilà. Merci. Voilà. Eh bien, rassurez-vous. Voilà madame, des cadeaux souvenirs. Merci. Arrivage, comme vous avez bien compris, c'est tout ce qui concerne l'ancien Robert. Oui, oui, parce que enfin, moi je veux pas. Il fuit en Robert. J'en ai fait 200. Voilà, quel souvenir. Voilà. Merci beaucoup, c'est très bien. Et on fait des citations. On est